Il est tout beau là. Ah ouais, c'est serré. Hein. Oui, ça monte. Là, l'initiative cet après-midi de convier à cette conférence de presse. Il n'y a pas de micro, il va falloir bien écouter. On s'écoute. On prie donc, nous avons pris l'initiative, plusieurs organisations de la société civile, en collaboration avec le FNDC Sénégal, avec nos frères guinéens, d'inviter à cette conférence de presse pour manifester d'abord notre soutien et s'exprimer avec les Guinéens qui vivent parmi nous, notre indignation, et annoncer le programme qui va s'en suivre en soutien à ce peuple guinéen qui aujourd'hui, comme tout le monde le sait, est en proie à la déstabilisation et en proie à une régression démocratique par le fait de décisions démocraticistes dont la seule personne responsable, c'est le président Alpha Condé. De quoi il s'agit ? Après avoir connu la dictature, après avoir connu des coups d'État, après avoir connu toute forme de violence, les Guinéens ont finalement trouvé la stabilité avec des élections présidentielles régulièrement organisées par leur constitution et qui donnent la possibilité à chaque candidat, s'il gagne, de faire deux mandats. Aujourd'hui, c'est ce consensus fort qui a ramené la paix et la stabilité, l'espoir en peuple de Guinée-Conakry, qui est aujourd'hui menacé. Comme vous le savez, nos différentes organisations se sont engagées non pas pour des pays, non pas pour des personnes, non pas pour des structures, mais nous nous sommes engagés pour des principes. Des principes de bonne gouvernance, des principes de liberté,
des principes de préservation et de sauvegarde de nos démocraties et partout en Afrique. Des principes de lutte contre toute forme d'impérialisme, quand je regarde à côté mon ami Guy. Que juste dire que nous nous sommes sentis intéressés et nous nous sommes sentis concernés. Que personne ne nous demande, que personne ne nous dise que ce n'est pas une affaire de Sénégalais. Ici, nous ne parlons pas en tant que Sénégalais, nous ne parlons pas en tant que Guinéens. Nous sommes simplement des Africains. Bravo. Nous sommes des Africains qui vivent en Guinée. Nous sommes des Africains qui vivent au Sénégal. Nous sommes des Africains qui vivent partout sur le territoire africain. Et partout où notre peuple, le peuple africain, sans sa démocratie menacée, sans son épanouissement hypothéqué par des décisions de tierces personnes qui, par cupidité et par simplement mû par le pouvoir, veulent remettre en cause l'épanouissement et déstabiliser nos pays, nous nous engageons et nous nous sentons concernés. C'est en cela que nous nous sommes engagés, bien avant même la mise sur pied du FNDC, ça il faut le connaître. Nos différentes organisations, et en ce qui nous concerne surtout Yanama, nous avons toujours collaboré avec les jeunesses guinéennes, nous avons toujours collaboré avec la société civile guinéenne, de manière déconnectée de toute préoccupation de prise ou de conservation du pouvoir, pour assurer l'épanouissement des peuples, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il y a eu plusieurs allers-retours, il y a eu plusieurs échanges jusqu'à la mise sur place du FNDC. Et quand ils ont mis en place la cellule FNDC Sénégal, tout de suite on s'est senti impliqué et concerné. Et nous avons fait les différentes péripéties et les différentes étapes. Seulement, jusqu'ici nous avons estimé qu'au Sénégal, ils s'estiment être chez eux aussi. Parce que les Guinéens sont chez eux au Sénégal. Ils ont voulu organiser des manifestations et à chaque fois, ça a été interdit, autorisé par le préfet de Dakar. Le préfet ne s'en est pas arrêté là. Il est allé jusqu'à leur dire, d'après ce qu'ils nous ont rapporté, qu'ils ne sont pas chez eux. C'est ce que l'autorité leur a répondu. Oui. Eh bien, nous, peuple sénégalais, nous répondons qu'ils sont chez eux. Les Guinéens sont chez eux. Et ils ont le droit. Et ils ont le droit de s'exprimer comme ils s'exprimeraient partout ailleurs dans le monde. Donc, nous avons initié cette convergence-là des forces vives du Sénégal et de Guinée pour nous faire entendre, pour montrer notre désaccord par rapport à ce projet démocraticiste de troisième mandat de Alpha Condé. Ici présents, les organisations parties prenantes au FNDC. Il s'agit du mouvement Servir la Guinée, du mouvement Marie Fada, de Fegidex, de l'URDG, de UFR, de PADES, de MODEL, de ARWOT, de Union pour la pour le, Union, fait la force. L'Union fait la force, de aussi la Moyenne Guinée, entre autres organisations. Mais vous verrez aussi sur la table qu'il y a Frappe France Dégage, il y a Yanama, il y a Africa Diom qui nous a envoyé tout de suite un émissaire de Aluntine, mais malheureusement il n'est pas encore là. Et d'autres manifestations comme le Forum Social Sénégalais qui a déjà pondu un communiqué. Nous sommes en train de prendre langue avec eux aussi, les Guinées, les Gilets Rouges, le mouvement Les Gilets Rouges. Il y a aussi Affectivistes et d'autres, parce qu'aujourd'hui, plusieurs associations sénégalaises sont préoccupés par ce qui se passe en Guinée et essaient de mettre en place un cadre où on peut exprimer notre soutien, où on peut exprimer notre désaccord par rapport à ce projet démocraticiste. Donc, sans plus tarder, je vais juste vous annoncer comment les choses vont se dérouler. Cette conférence de presse est une première étape d'un long combat jusqu'à ce que Alpha Condé décide de retirer son projet de troisième mandat. Après cette conférence de presse, il y aura une série d'actions, d'activités de proximité. Nous allons, avec nos frères guinéens, aller sensibiliser les populations dans des activités de porte-à-porte, avec ou sans les médias, l'objectif étant de sensibiliser et d'informer les Sénégalais
de ce qui peut se passer en Guinée et ce qui va se passer en Guinée. Rappelons-nous juste de l'épisode malheureux de ce qui s'est passé pendant la maladie Ebola. Quand la Guinée a eu la maladie Ebola, est-ce que nous avons baissé les bras à l'époque? Est-ce que les Sénégalais avaient baissé les bras? Non. Les Sénégalais se sont mobilisés. Nous-mêmes, Yanamar, à l'époque, on avait un projet qui s'appelait Ebola du Finanénière. Parce qu'on s'est dit que, comme disent les Wolofs, quand la maison de ton voisin brûle, il faut se préparer. Parce que le feu va arriver chez vous. Khodde Koubalanga Lakale, disent les Wolofs. De la même manière, ce qui se trame en Guinée, non pas parce qu'en termes de contagion, parce que les chefs d'État sont ce qu'ils sont, mais simplement, si aujourd'hui la Guinée est déstabilisée, le Sénégal ne sera pas épargné. Si la Guinée est déstabilisée, le Sénégal ne sera pas épargné. Regardez ce qui se passe autour de nous. Regardez ce qui se passe au Mali. Quand la Gambie a failli sombrer, notre président de la République, Macky Sall, nous a donné l'exemple. Il est allé s'occuper de la Gambie pour pas que la Gambie ne soit déstabilisée par Yahya Jammeh et que le Sénégal en subisse les conséquences. Eh bien, nous, les Sénégalais, il nous a montré le chemin. On va aussi se mobiliser avec les Guinéens pour que Alpha Condé ne réussisse pas son projet de déstabilisation de la Guinée. Donc, nous sensibiliserons les Sénégalais sur cela. Et ça va être bouclé par une manifestation des forces vives sénégalaises avec les Guinéens à la place de l'obélisque le 2 novembre prochain. Le samedi 2 novembre prochain, le mouvement Yanamar, Frappe France Dégage, Africa Jom, Africtivis, toutes les forces vives sénégalaises, les gilets jaunes, les gilets rouges et tant d'autres, en collaboration avec le FNDC, c'est nous les Sénégalais qui nous organisons pour nous exprimer et faire exprimer nos frères guinéens sur le projet parce que nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie, nous sommes dans un état de droit. Les étrangers qui vivent parmi nous ont le droit de s'exprimer comme nous nous exprimons aussi chez nous. On ne peut pas leur ôter ce droit. Encore que cette manifestation est organisée par les organisations de la société civile sénégalaise, il n'y a pas de prétexte pour le refuser. Donc à part le 2 novembre, on va donc vers cette activité, cette manifestation du 2 novembre. Cette marche qui commencera à la place de l'obélisque jusqu'au rond-point de la RTS. À partir de 16h. C'est une marche pacifique, c'est une marche non violente, c'est une marche dans la bonne humeur, juste pour montrer notre préoccupation par rapport à ce qui se passe en Guinée, comme nous l'avions fait du temps de Ebola, souvenez-vous. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas dans l'antagonisme, ce sera dans l'harmonie, ce sera un signe de cette union africaine des peuples que nous rêvons tant et qui manque tant à l'Afrique. Après ce propos liminaire, je m'en vais donner la parole à mon camarade Idriss, qui est à ma gauche, qui coordonne le FNDC Sénégal. Il va aussi adresser un message aux Sénégalais et aux Guinéens vivant parmi nous. Par la suite, on verra si Guy Marissagna aussi a quelque chose à dire. Et nous nous ouvrons. Binyan Diouf est là. Ah, je n'ai pas vu le doyen Binyan Diouf. C'est excellent. Donc je pense que donc, c'est fait. J'ai dit tout à l'heure que le forum social sénégalais est avec nous.